Salut les amis, ben, je suis coincé, je rentre d'une conférence et il y a un énorme orage sur l'autoroute. On a brûlé plusieurs kilomètres à 30 km/h tellement la visibilité était faible. On est en vigilance orange pour toute la journée jusque cette nuit. Ça se voit et je pense que là il y a un accident. Voilà, que faire en optimiste lorsque nous sommes dans les bouchons? Prendre son mal en patience. Et puis voilà, il y a la radio heureusement que je peux écouter la radio. Là je vous parle, donc je prends le temps de vous parler. Et ça tombe assez fort. Il y a vraiment, j'ai rarement vu un orage aussi fort que ça. Il y a des éclairs, je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, écoutez, ça tonne même. Ça tonne bien. Écoutez, c'est pas trop loin d'ici. Voilà, l'optimisme, bah écoutez, c'est juste prendre son mal en patience, écouter la radio, et puis bon, j'ai un rendez-vous ce soir, et je pense que je vais arriver en retard. Je vais devoir appeler les gens avec qui j'ai ce rendez-vous. Puis voilà, puis maintenant, j'espère que devant nous, il n'y a pas d'accident grave. En tout cas, c'est ce que j'espère. Pour que ce soit arrêté depuis si longtemps, il doit probablement y avoir un accident, ou alors un obstacle sur la route. Il est possible qu'avec ce vent, ce soit également un obstacle. Voilà. Voilà, quel était le problème? Tout simplement, comme je pensais, des obstacles sur la route. Ouh là là. Ouf, vache. Aïe, aïe, aïe. Pauvre. Vous voyez la puissance de l'orage que nous venons subir. Voilà, écoutez, moi je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux et à très très vite.